souhaite à tous une agréable semaine. Oui, par la grâce de Dieu, oui, tout ira à merveille. Faut garder le sourire, tant qu'à la santé, tout va bien. Faut garder le sourire. Hi! Alors, eh bien, je vais prendre mon petit déjeuner avec vous, chin, pago, fraise. Petit pain au lait et pêche des vignes. Voilà, comme ça on va prendre notre petit déjeuner ensemble. Alors, mais sur ce, pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action. Tout d'abord, j'en avais deux, j'en ai racheté un noir, j'en avais des blancs. Voilà, j'ai acheté ceci. Alors pourquoi? J'ai payé 2,49. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça s'emboîte comme ceci. Voilà, et donc vous pouvez mettre une autre par-dessus. Ainsi de suite, vous pouvez en mettre plein hein, comme vous voulez, et puis me ranger dans les placards. Mais moi, je me suis dit, j'en ai marre de mes fruits, je ne sais pas trop comment les ranger. Vous voyez, donc là, j'ai des pommes de terre, et là, j'ai mes fruits, voilà, et mes tomates. Et donc, je les mets là, et ça va pile poil, je le range, et ça va pile, et j'ai ma mangue. Voilà, et ça va pile poil dans le frigo. Alors, je le rentre comme ceci, vraiment, comme ceci, pour pouvoir... tout cassé pour pouvoir l'utiliser. Donc je l'ai payé 2,49€ et c'est franchement comme ceci. J'ai trouvé ceci, alors pas cher du tout, 2,49€. D'habitude ça coûte une blinde. Moi j'en ai besoin pour la poussière. Donc c'est très très bien, 2,49€, il y en a 3 dedans. Mais franchement, c'est pas cher. Capture, vous voyez, quand je vois capture, demain on va capturer le petit chat. Alors j'ai pris des chips, je les ai payés saveur barbecue 1,29€. Franchement, j'adore grignoter. Attendez, je vais manger un petit peu de pêche. Un régal. Alors, j'ai trouvé ceci, 75 centimes. C'est un retourne-balle. On va l'ouvrir. En fait, c'est simplement pour aller pour jouer. Alors, c'est une connerie, parce que vu le prix, je l'ai payé. Il y a un petit bracelet. Voilà, on va l'ouvrir. Une heure, le facteur est pas passé. Il y a un scratch. Voilà. Et du coup, vous mettez le scratch comme ceci. Ah ouais, il faut que je parle fort, oh là là. Vous mettez le scratch comme ceci, vous envoyez la balle et vous la ramassez. Ce qui fait comme ça, ça vous évite d'aller la rechercher et qu'Ivy, elle peut jouer. Par contre, je ne vais pas être bête, je vais faire le même système. Je vais mettre un trou là-dedans, je vais mettre un trou là-dedans. Et je vais mettre une petite balle plus légère. Parce que si elle se prend ça dans la tronche, elle va avoir mal, ça, dans la tête. Donc, je vais en prendre une plus légère. Mais à la base, c'est pour faire ça. Vous voyez, il y a le fil, il y a tout. Et je vais lui mettre une qui est toute fine en mousse qu'elle aime bien. Et voilà, mais pas ça. Hein. Ça, c'est pour... ça, à la limite, c'est pour faire du sport, quoi. Voilà, mais 75 centimes, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. Hein. Donc, je m'en suis pas passée. Voilà. C'est vrai que j'avais dit que j'irais plus à Action, mais en fait, il s'avère que Action ne vient pas de Chine. Donc, vient de l'Europe. Beaucoup de produits viennent d'Europe. Apparemment, ils ont dit que ça venait de la Pologne. Mais bon, j'ai des doutes. Hein. Moi, je dirais plutôt Made in Chine, mais bon, bref. On va regarder, mais pour moi. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Rattan basket. Rattan mange de panier en rotin. Bref, voilà, ça c'est super. Moi je mets ça dans mon frigo, je m'en sers partout. Je range mes fromages dedans, je mets mes œufs dedans, je range tout dedans. Voilà. Ou alors, je mets mes petites culottes qui n'a rien à voir et mes soutiens-gorge que je plie à la Marie Kondo. C'est-à-dire en 1, 2, 3, 4, hop, je plie et je mets en vertical. Voilà, alors c'est soit ça, ou soit je mets mes fruits dessus, dedans. Ou là, aujourd'hui, bah, j'ai du make-up dedans. Voilà, ça dépend. Voilà, mais franchement, je les ai payés 2,19€, je crois. 1,49€, je ne sais plus trop. Je sais pas si c'est le ticket. Voilà, du coup, j'en ai pris deux. J'ai failli les utiliser. Ça, j'ai oublié de vous le montrer dans mes achats. Maison verte, tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer, je l'ai payé 7,50€, lessive écolabel hypoallergénique aux huiles essentielles, elle est franchement très bien, franchement elle est très 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 bien. Alors ensuite, j'ai pris, c'est un méga haul, hein, je vous le dis, hein.
Ensuite, j'ai pris XXL Paper Troll 1,75. Parce que, franchement, il est génial, ce sopalin, il est super. Autant le papier toilette, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. Et c'est un truc de fou. Hein. Et moi, la réaction, elle est immédiate. Hein. Alors ça, bah, c'était pour aller dehors pour le petit chat, 1,99€. Bah, je garderai à la maison. Tant pis. 1,99€. Non, même pas. C'est quand je vais rentrer... Ouais, non, je ne peux pas sortir avec ça dehors, c'est pas possible. Si, juste pour aller voir le petit chat, mais pour l'instant, voilà, il va être parti demain. Mais voilà, mais peut-être qu'il y en aura d'autres petits chats, et du coup, ben, je refais la même chose. Donc, du coup, il paraît qu'il y en a 4, mais apparemment, c'est des chats domestiques. Bon, il y a quelque chose qui me gratte. Je suis allergique à un truc. Qu'est-ce que j'ai touché juste avant ça? J'ai touché quelque chose juste avant ça. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être ça. Il y a un truc qui me gratte. Ah mais grave là, bon c'est pas grave. Voilà, donc 1,99€, franchement, ils sont fourrés, des petits crocs. Franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en passer, sincèrement. Alors ça, ce sont des... je prends mes lunettes, hein. Oh les lunettes, comme dit mon fils. Maman, c'est quoi ces lunettes? Elles ont, je ne sais pas combien d'années, mais je les adore. En plus, j'avais payé une blinde. Alors, Hook Look Tap, c'est des petits scratchs parce que quand je vais mettre ma clim, je vais pas faire le système que j'ai fait qui est une vraie merde, pas possible. Je l'ai payé 15€ à Auchan, c'est le système normal, mais non, moi je vais faire un autre système. Donc, je vais voir avec Yannick, je préfère faire un truc en tissu plutôt qu'en plastique et puis que ça fond, c'est horrible. Donc, j'en ai acheté 3 comme ça, je les ai payés 75 centimes. J'ai pris des petites fourchettes à 49 centimes, bah, c'était pour bébé, parce que quand, pour Lucky, quand je revenais de course, et puis pour pas montrer à Ivy que je mettais, nanana, que je préparais, j'avais préparé ça, mais bon, c'est pas grave, ça peut servir. Hein. J'ai pris ceci, hygiène hand spray, en fait il est en spray, c'est pour mettre sur mes chaussures. Elle lui dit pour les mains, moi je m'en fous, moi je fous ça sur les chaussures. C'est tout simplement du désinfectant. J'ai payé 1,59€. Voilà. Mais franchement, c'est bien pratique. Et je mets ça sur mes chaussures et je les laisse sur le palier. J'ai acheté aussi un grand paillasson. Il est mis, hein, je viens de le mettre. Hein, parce que je suis allée, là aujourd'hui on est lundi, j'y suis allée samedi. Un grand paillasson que j'ai payé 3,30€. Franchement, il est très bien. Il est noir, il est parfait. Parce que vu l'état que... On fait des paillassons. Donc ça, c'est un deuxième. Alors ceci, c'est tout simplement que des fois, bah, j'ai pas envie d'acheter des grands sacs poubelles parce que j'en ai des sacs poubelles à la lavande. Hein. D'ailleurs, je les ai pas achetés là parce que je les ai achetés à Casino. Vous verrez, je sais pas si j'ai fait le haul ou pas, je m'en rappelle pas. J'ai fait un haul, mais je sais pas si je l'ai mis. Parce qu'en fait, moi, je suis la spécialiste, je fais des hauls et je les mets pas. Alors j'en ai plein, mais plein. Enfin, je les enlève parce que j'en ai plein. Si vous voulez que je les mette, c'est à l'arrache, mais ça va être... Alors, donc du coup, ça, c'est tout simplement pour par jour. Parce qu'on a un vide ordure, mais madame, la petite grand-mère, a décidé que c'était à elle le vide ordure. Mais non, c'est pas à elle. Alors donc, moi, je vais demander à ce qu'on rouvre le vide ordure. Je vais encore faire des histoires. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas écrire au président de la République cette fois-ci. Ça, parce que ma petite voisine m'a demandé, « Sybille, est-ce que tu peux me prêter un marteau ?» Et moi, j'avais besoin d'un marteau, j'avais prêté, et du coup, je n'allais pas lui demander, « Tu peux me le rendre parce que j'en ai besoin dans l'immédiat ?» Non, bah tant pis. Donc, je me suis acheté un maillet. Mais un maillet, ce n'est pas un marteau. On ne fait pas la même chose, ce n'est pas la même puissance. Regardez. Et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais franchement, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je ne sais pas quoi ça sert, en fait. Je croyais que c'était un maillet comme un marteau, mais loin de là. Je l'ai payé 2,49€. Ah, enfin, je les ai retrouvés. Enfin, les bâches. Alors, 20 mètres carrés. Parce que la dernière fois, c'était 40 mètres carrés, c'était 1,59€. Et là, les 20 mètres carrés, c'était 59 centimes. Du coup, je me suis dit, ne fais pas avoir, si vous, t'en prends 3. Donc, j'en ai pris 3. Ça me fait 1,60€. Voilà. Et c'était le prix d'une la dernière fois, 1,69€. Donc, franchement, super. Je les adore. Vous voyez, je n'ai pas acheté de trucs inutiles. Hein. J'ai trouvé ce petit carnet pour moi, pour ma rentrée des classes. Ah oui, hein, je vais faire la rentrée des classes en septembre. Hein. Je reprends en septembre. Belge. Oh, Belge. Sommervagendi. Nederland. Vous voyez, c'est un truc européen. Enfin,
C'est fait quand où? En Chine. Made in Chine. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ils ont qu'à baisser les prix, hein. Moi, je voulais vraiment acheter français, mais c'est trop cher. J'essaye, ce que je peux, je le fais. Mais par contre, il y a des choses, je ne peux pas. Je veux dire, ça, je ne vais pas le payer 7 euros, 8 euros, alors que ça vaut 69 centimes. C'est impossible. Faut être réaliste aussi, hein. Ça, j'avais acheté des gants. Alors, vous savez pourquoi? Je les ai payés 1,99 €. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ces gants-là. Jamais vous devinerez. Jamais. Bon, allez. Celui qui devine, je lui fais une petite dédicace personnelle. Vous savez qu'on m'a demandé l'autre fois, c'est super gentil, on m'a dit, Sybille, est-ce que tu te mets en privé, hein? Est-ce que tu peux me faire une dédicace personnelle pour ma maman, pour son anniversaire? Franchement, ça m'a touchée, j'ai fait une petite vidéo. Ça, c'est pourquoi? Jamais, 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 vous devinerez. Jamais, jamais. Donc, je crois pas, hein. Donc ça, c'est 2,49 €. Voilà, et c'est de la taille L. Ensuite, c'est pas fini. J'ai trouvé un petit trépied. Parce que je cherche un grand trépied, mais je ne trouve pas. C'est compliqué. Pour être debout, c'est compliqué. Si je me mets comme ça, je ne serai pas debout. Donc, vous voyez, excusez-moi. Donc, bah, puis j'arrive pas à vous tutoyer. Je vais essayer, mais c'est compliqué, hein. Bon, alors tu. Ben, on va l'ouvrir devant vous. Allez. Allez, je l'ouvre. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mes lunettes de travers, bien sûr. Ah oui, j'ai mon truc là. Voilà. Ah, parce que j'ai un truc dans les cheveux. Enfin bref, alors ben, je vous le montre, hein, quand même. J'ai payé 1,69 €. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ou 2,69 €, je ne sais plus trop. Je garde les petits trucs comme ça. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais je les garde. Parce que j'en avais besoin l'autre fois. Mais, ah ouais, c'est pour les fils, les câbles. Voilà. Il y avait des trucs pour les câbles. Il y avait pas mal de choses, hein. Je suis allée dans un grand, grand Action. Alors, voilà. Alors, du coup, oh là là, voilà. Comme ceci. Il est comme ça. Est-ce qu'il va plus loin que ça? Oui, quand même. Regardez. Eh, quand même, hein? Eh, il n'est pas si petit que ça. Par contre, on peut le mettre que debout. On peut pas le mettre allongé. Attendez. De toute façon, moi, je suis la spécialiste des conneries. Alors, ah, c'est un trépied allongé, un trépied debout. Bah non, regardez. Bah, tu fais comment? Alors ça, je demanderai à Yannick parce que. Ou Alain. Qu'est-ce qu'il y a, Ivy? Parce que je sais pas. Il bouge pas. Bon, ben voilà. En tout cas, il a l'air très bien. Il a l'air de bien tenir. Il est bien stable parce qu'il s'écarte bien. Mais à vous dire, comme. Bon, attendez, je suis pas bête quand même. Ah, Ivy mange. Elle n'a pas mangé pendant des jours et des jours. 3 jours. J'ai failli appeler, mais. Oui, tu peux manger. J'ai failli appeler SOS, Béto. Bon, attendez. Alors, du coup. Oh, je suis sûre, j'ai fait une connerie, ça y est. Voilà, il est là. Donc, il faut juste le mettre comme ça, alors. Ben non. Ben non. Ben non. Parce que si je le mets comme ça, là, voilà. Action. Action, action, action. Je viens de l'acheter, c'est chez Action, je l'ai payé 4,79 €. Il est vraiment magnifique. Le petit plateau, 75 centimes, il vient de chez Action. Et le petit bol, le petit verre, je crois que je l'ai payé 1 euro, quelque chose comme ça, ou moins d'un euro. Voilà, franchement, qui dit mieux? Miam, miam. Et comment ils ont fait, eux? Oh! Ouais, je sais, il y en a qui vont dire, elle est complètement starbée, Sybille. Non, mais faut être con.
Non, mais faut être con. Quand je vous dis que avec tout ce qui s'est passé, là, je me suis un peu, comment dire, un peu trop occupée de ça, et peut-être aussi moins d'Ivy, et c'est peut-être pour ça qu'Ivy n'était pas bien. Bah maintenant, accroche-toi, Jeannot, pour remettre ça. Ben, faut tout simplement mettre le téléphone à l'horizontale. Quel con. Mais... Alors, j'ai aucune logique. Mais quand je vous dis que j'ai aucune logique, c'est une catastrophe. Bon, ben, me v'là bien. Je vais, voilà. Je verrai. Je vais me mettre là. Je l'ai cassé, ou je sais pas ce que j'ai fait. Je ne peux pas le remettre. Bon, ensuite, c'est pas fini. Des petites serviettes, ça, je sais pas le prix. Si, je crois que c'était 75 centimes. Des petites serviettes invitées, j'en ai pris 4. Parce que moi, j'ai plein de serviettes, mais j'ai pas des petites serviettes invitées. Et je trouve ça très bien pour 75 centimes. J'ai repris des sacs poubelles. Ben, je vous l'ai montré déjà. Ah oui, j'en ai pris 2. Pourquoi? Ben, pourquoi j'en ai pris 2? Bon, bref, ben, j'en ai pris 2. 79 centimes. J'ai trouvé, alors la dernière fois c'était 1,60 €, 1,30 € ou 1,25 € les 4, et là c'était 75 centimes. Franchement, ils abusent. 75 centimes, c'était pas ce prix-là la dernière fois, c'était les 4, 1,25 €. Ouais, franchement, ils abusent grave. Ils ont augmenté les prix, hein, je vous le dis. Ça, pareil. Voilà. Ça, ben, c'est pour bricoler. Je sais pas combien j'ai payé ça, je m'en rappelle plus. Mais bon, je me dis, ça peut être utile. Quand on ne sait pas bricoler. Alors, je suis trop contente parce que j'ai ma petite voisine adorée qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un. Et donc, je vais certainement faire des travaux chez moi parce que pour le prix qu'il prend, c'est top de chez top. Donc, je vais certainement faire. Oui, je pense. Elle me l'a proposé et je dis bah, bien sûr. Moi, j'ai besoin de ma cuisine parce que ma chambre, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de mon salon. J'ai besoin de ma cuisine et de mon entrée et les portes. Et vous savez bien qu'il y a toujours un clou du spectacle number one du number one. Hein? Tu le sais qu'il y a toujours un number one. Bien sûr que tu le sais. Pourquoi tu ne le saurais pas? Alors, déjà, je commence par ceci. 79 centimes. Mais j'avais absolument. Ah ben voilà un ticket, tiens. Tiens! Ah ben tiens, voilà un ticket normal. Donc je vais pouvoir m'en servir. Ça, c'est top de top. Et voilà le dernier article. Comme ceci, il est magnifique. On se demande s'il est noir, s'il est vert, un vert bizarre, mais il n'est pas noir noir, il n'est pas gris, il n'est pas vert. Il a une couleur un peu space. Ça s'appelle Loft Jungle. Ah, par contre, j'ai payé cher. J'ai payé 4,79, mais je le voulais. Voilà, il est trop beau. Voilà, ça c'est vraiment le truc que je voulais vraiment absolument. 4,79, j'irai en racheter un autre. Il n'y en avait plus qu'un. Et avec ça, top, hein, dommage qu'il n'y avait pas les assiettes. Hein. Mais voilà, franchement, je me suis dit, il est trop beau, il est vraiment super. Parce que moi, je me fais des petites salades là, et d'ailleurs, je vais manger une salade dedans. Voilà. Bon, ben. On a fait le tour. Hein. Je pense que j'ai acheté pas mal quand même. Hein. C'était un gros méga haul action. Hein. Ah non, j'ai oublié l'essentiel. En plus, je suis allée pour ça. J'ai acheté la battante toilette rose. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. On va l'ouvrir et je vais encore faire des conneries parce que je suis la championne. Alors, j'ai pas acheté en bois, j'ai pas acheté en porcelaine ou en je sais pas quoi. Parce que franchement, pour nettoyer, c'est de la cochonnerie. Alors, je préfère payer moins cher. Je l'ai payé 4,99 €. Je préfère payer moins cher et au moins, eh bien, quand c'est usé, in the poubelle. Parce que c'est là que ça se salit souvent. Il va pas faire long feu, je pense. Mais pour 4,95 €, s'il peut faire un an, c'est déjà bien. Voilà. Et puis en plus, je vais le nettoyer. Ouais, ça, ouais, bon. C'est un peu de la merde. C'est un peu de la cochonne. Je pensais pas que c'était. Ah, ben je vais avoir les fesses. Je vais avoir les fesses toutes molles. En plus, s'il fait chaud, je vais coller. Bon, c'est de la merde. Mais c'est pas grave. Je vais l'utiliser. Là, par contre, ça va.
Voilà, c'était, je voulais vraiment pas un truc cher. À chaque fois, j'ai des problèmes. Je n'arrive pas à le renettoyer. Pourtant, je le nettoie. Mais en fait, ça s'enlève après, à la longue. Avec le Javel, avec tout ça, quand on gratte, ça s'enlève. Donc, non. Donc, j'ai préféré ça. Et je m'en achèterai un autre. Retirer l'ancienne assise. Placer la charnière dans les trous de fixation. Placer les boutons plastiques dans la charnière. Et c'est où les trous? Il faut des vis, il n'y a pas de vis. Facile d'être. Oh, ben si j'y arrive pas, je m'en fous, je le pose comme ça. Oh là là, j'ai une envie pressante. Mais ouais, j'ai une envie pressante. Bon, allez hop, je vais m'asseoir. Hop, et hop, je glisse. Bon, voilà, mes conneries. Ah non. Voilà. La vie en rose. Bye bye. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.